Après deux éditions fructueuses en 2012 et 2013, le Tour Moto de Patrick Baudry et de sa femme Stéphanie va le 1er mai prendre le départ de Bordeaux. Cette troisième édition va prendre de l'ampleur et parcourir l'ensemble du sud de la France en traversant 4 régions administratives et 12 départements. Cette année, 8 jours, avec arrêt dans 20 villes et 8 villes étapes. Le Tour partira de Bordeaux le 1er mai pour rallier Port-Grimaud le 8 mai, où il sera accueilli par la grande concentration Harley-Davidson. Pour la troisième fois, Patrick Baudry et sa femme Stéphanie organisent le Tour Moto en faveur de l'association Enfants et Santé, qu'ils parrainent et soutiennent inconditionnellement. Ils ne sont pas seuls. Les Lions Club des 12 départements qui seront traversés ont répondu présents, ainsi que les motards. Mais ce n'est pas encore suffisant. Vous qui regardez cette vidéo, venez accueillir les motards qui vont pendant 8 jours se relayer sur les routes de vos départements, et cela pour aider la recherche contre le cancer, car les soins pour les enfants ont besoin de vous. Vous êtes motard? Prenez un peu de votre temps pour accompagner sur quelques kilomètres cette troisième édition du Tour Moto. Vous n'êtes pas motard? Venez rejoindre ces motards. Faites des dons pour cette association Enfants et Santé. Allez sur le site internet networkvisio.com/TourMotoPatrickBaudry2014. Vous y trouverez tous les renseignements du parcours. Les images que vous avez pu voir ont été tournées durant l'édition 2013. Avec tous nos remerciements pour les villes qui ont su accueillir le Tour Moto et surtout les motards, les chevaliers du monde d'Albi et Castres et Moto 66 et le CSAG dont Cyril Thévenon qui transporta le cadreur de Network Visio Michel Lecomte en toute sécurité. Bon Michel, je regrette de ne pas avoir eu affaire à un vrai professionnel au niveau des caméramans, on fait ce qu'on a. Tu m'avais promis qu'on ferait une pipe ensemble, tu n'as pas tenu promesse. Ah, alors je te dis, à l'année prochaine, on réglera le problème. Merci pour tout. C'est à moi qui parlais là. Qu'on a pendu le bon matin, qu'on a pendu avec ses filles. Moi je me fais habiller. Et non pas déshabillé. Ouais, c'est curieux. Nous, généralement, dans mon pays, on déshabille les femmes. Lui, il déshabille, c'est bon. Eh oui, mais bon... Pourquoi pas. Voilà. Bon, enfin, voilà, j'ai quand même une belle vidéo. Hein. Une Harley câblée à une K. Tu as celle-là. Ah, je peux te dire quelque chose. C'est du lourd, hein. Qui dépanne la voiture. Non, c'est la voiture qui dépanne la Harley Davidson. Alors voilà la vidéo qui va faire un buzz sur internet. N'oubliez pas de l'envoyer à Harley France. La dame blonde a demandé ce qu'elle devait faire quand même. Donc ils étaient trois quand même, hein, trois pour y aller. Hein. C'est non. Ouais.